Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.0. Donc, on redescend sur la planète, on va voir où est-ce qu'on est notre coton. Ce serait sympa qu'il ait poussé, tant pis. J'ai fait un petit peu de rangement dans mon paquetage, hein, littéralement. Hein. J'avais beaucoup de bouffe sur moi, mais aussi beaucoup d'objets assez intéressants comme les matteurs manipulateurs ou les. Enfin, comme les matteurs. Comment ça s'appelle, mince, l'émetteur module, pardon, et la boîte, la fameuse bobade, je sais plus comment ça s'appelait aussi. Bon, tout ça c'est rangé, la living route je ne les ai pas rangé, il faudra que je le fasse aussi, mais je crois que c'est parce que je l'ai pas remis dans le bon coffre, du coup je l'ai récupéré. Oh, le pull jump fait de la lumière, intéressant. Bonjour. Oh là, je pensais pas que t'allais réussir à sauter en fait. Hop, triplette. Et une triplette, comme dirait la fille, je crois que c'est Athéna dans... En plus, ça doit être Athéna, en plus, j'y pense pas, mais... Dans Overwatch. Bon. Sachez que je fais des lives en ce moment sur Overwatch et que je vous préviens dans le groupe Steam, donc si vous voulez être mis au courant quand je sors un live, enfin quand je sors en live, plutôt que un, je vais y arriver, excusez-moi. N'hésitez pas à tout simplement... rejoindre le groupe Steam. Hop. Bien, aller récupérer les sous. D'ailleurs, on ne voit plus du tout la quantité de sous que nous avons. D'accord, 2100. C'est vrai qu'on est mort assez souvent. Hein. Hop. Hop, j'ai l'impression qu'après une attaque, il redevient. Non, pourtant. J'ai cru. Ah, on va pouvoir sauter un peu plus librement, ce qui est carrément agréable. Hop, dégage. Si. Ah, c'est la joie. Hop. Bon, on s'en sort pas trop mal. On est peut-être un petit peu plus agressif que d'habitude. Bon, là, il n'y a pas de coffre. J'aurais aimé qu'il y en ait un. Hop. Oh, joli. Joli gros sac. Tu m'as complètement mindé. Bon, la suite. Hop. Pourquoi tu m'attaques pas à distance? C'est bizarre. Ce n'est pas grave. Cette espèce de latence entre chaque coup est vraiment déroutante. Hein. Mais bon. Je n'y peux rien. C'est là qu'il y avait le mini-boss. Je vois que ma bouffe descend quand même très vite. Hein. Hop, merci de revenir plus tard. Hop, living roots. Pas plus mal qu'on en trouve. Hein. Pauvre poisson qui est en train d'essayer de nager dans l'air. L'échec. Hop, bonjour. Excusez-moi, j'ai encore à moitié mal à la gorge. Hein. Hop. Alors. De l'eau classique, est-ce qu'on la récupère? Oui, on va la récupérer sur le principe. Si jamais on va en profondeur, ce serait toujours bien d'avoir un petit peu d'eau pour pouvoir faire une petite zone de cailloux sur la lave, pardon. Je vais y arriver. Hop, allez, bois. Glou. Et sur la prochaine mare d'eau classique, on essaiera de faire un truc. Hop, bonjour. Apparemment, vous étiez deux. Non, tu ne me cracheras pas dessus. Ah, effectivement, il y a eau là. Marrant ça. Hop.
Hein? Crac. Hop. Oui. Ouais, ça va être short comme saut, ça. Ouais, c'est bien ce que je disais, ça va être short. Donc non. Hop. Merci. Laisse-moi passer. Merci. Hop. Crac. Voilà, on est passé finalement. Bon. Alors, je m'en rappelais pas de celui-là. C'est que j'ai pas dû faire le tour dans ce sens-là, en fait. Ah oui, je me disais, il y avait beaucoup de bruit d'un seul coup. Hop, merci de me vouloir revenir plus tard. Hop. On va grimper ici, on va faire descendre la liane. Vu la longueur qu'elle a, voilà. Tiens, on va peut-être visiter aussi un petit peu par là, ça peut être sympa. Pas de coffre. Ok. Why not? Why not, why not? Ah oui, je voulais récupérer les... Alors déjà, je voulais récupérer le coffre. Les plateformes. Voilà. Hop. Ne serait-ce que les plateformes. Toujours être intéressant. Hop, parfait. La suite. En espérant qu'on a notre petit coton qui aura poussé, ce serait vraiment génial. On gagnerait un temps fou. Une fois qu'on a fait toutes ces quêtes secondaires. D'ailleurs, on devrait peut-être aller visiter aussi l'outpost complètement, parce qu'on a fait que la partie classique. La partie bâtiment, mais la partie extérieure avec la Penguin Bay, tout ça, on l'a pas fait. C'est dommage. Et oui, la Penguin Bay, chers amis, c'est quelque chose qu'il y a depuis le début du jeu, hein, je précise. Hein. Pour tout ce qui est serveur, faudra que je revienne vers vous, chers amis. Hein. Faudra que je revienne vers vous. En l'occurrence, tiens, si des fois qu'il y a des gens qui connaissent. S'il y a des gens qui connaissent MTX serveur, leurs tarifs sont deux fois plus importants que ceux que j'avais chez OMG. C'est-à-dire que. En fait, je payais 150€ à l'année chez OMG. Là, je vais payer 150€ tous les 6 mois. Donc est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est un prix qui est comment? Qui est est-ce que c'est worth it? Est-ce que ça vaut le coup de le payer 150€? Pour est-ce que la qualité est bonne quoi? Littéralement c'est ça. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je mets une goutte de healing water dans de l'eau. Ça la transforme en healing water. Parfait. Bon à savoir. Très très bon à savoir. Ok, bon la suite. Ah, on va encore se faire agresser en pleine nuit. Voilà, merci. Oh, Living Roots. C'était quoi, de la canne à sucre? Du riz. Bon, on aura fait le tour finalement. Et le coton n'aura pas plus poussé que ça. C'est vexant. C'est vexant. Bon. Et ben on va aller voir à l'autre poste alors. On va aller voir à l'autre poste. Bonjour. On va manger un petit coup quand même. Un steak avec une patate. Voilà, ça fait toujours de bien par où ça passe. Et ben oui, l'autre poste. Intentionnellement, je ne me rends pas à l'arc, hein, c'est fait exprès. Ah bah c'est fermé, d'accord. Penguin Bay, vous voyez. Ah, lui il est là par contre. Allez, ça coûte cher. Hein. Khaki overbike, red overbike, green overbike, boat control. D'accord. Ça n'a pas changé. Est-ce qu'il y a des choses en plus? Ah. Oula, je vais revenir plus tard pour ça. Je crois que c'est l'arche et qu'en fait elle est maintenant placée sur l'autre poste. Ok, bon, on va y revenir plus tard.
Ah oui, lui c'est celui qui répare, oui, exact. C'est sympa de les voir se téléporter ici. Hop. Rien d'autre n'est prêt, forcément. Petit texte, là, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est pour les équiper, j'imagine. Ah oui, il voulait de l'or, lui aussi. Exact. Bon, d'accord. D'accord, il y a du boulot. Il y a du boulot, chers amis. J'aimerais que ça puisse pousser. J'aimerais que ça pousse. Avant de passer à la suite. Hop. Beam down. Down until down. Ça ne pousse pas. Est-ce que je fais une ellipse? Est-ce que je fais une ellipse? Est-ce que je fais une ellipse? Oui, je vais faire une ellipse. Allez, à tout de suite, chers amis. Je vais me nourrir et tout ça pendant... pour perdre ma bouffe. Ok, re, chers amis. Alors, comme j'ai dit, on va manger un petit peu. On va prendre un petit bout de pain. Ah bah, ça pensait que ça allait faire un peu plus. Avec un petit bout de poulet. Et une de tomates. Ça suffit, ça suffit. Bon, putain, il faut bouffer énormément, en fait. Donc, on va bien descendre. Normalement, ça devrait être bon. Je les ai vus quelques-unes sortir tout à l'heure. Voilà. Une, deux, non, une. D'accord, on a même récupéré une seed. Donc, on va planter cette seed. Ce sera fait, comme ça. Hop, voilà. Deux, je vais en avoir une là-haut. Je devrais pouvoir faire la quatrième. Je sais plus. Hop. Ok, c'était ici que je l'avais rangé. Non, ici. Ici. Ok. Crac, crac. Hop, donc on a ce qu'il faut ici. Woven Fabric. Il nous en faut combien? 20. 20, tu dis? Alors, je récupère une quantité atroce de fibres. Je vais en faire 20, s'il te plaît. Hop. Par contre, je vais être chaud niveau soin derrière, c'est violent. Ah oui, c'est vrai. Pas que je bouge. 11, donc restante. C'est dommage, ce serait cool de pouvoir aller voir le... Bah voilà, j'ai rien dit. Ok. Ça, c'est crafté. Qu'est-ce qu'il nous restait d'autre comme mission à faire? 10 gold bars. Ouais, mais je suis pas prêt de les avoir, les gold bars. Je suis au début de l'aventure, hein. Alors, on ira voir ensuite dans la... Ah! On va y aller tout de suite. On va aller voir si on peut trouver de l'or. Hop, on va aller voir dans la mine directement. On va pas s'embêter. Maintenant qu'on a le super saut là, ça peut être sympa. On va gagner du temps au niveau de l'exploration. Là, il y a un petit peu d'or. Non, c'est une. Je vais y arriver. Plateforme. Hop, merci de bien vouloir revenir plus tard. Hop. Hop. Adieu. Oh mais... Hop. Merci de vouloir revenir plus tard, j'ai dit. On aurait presque envie de récupérer toutes les... On va passer par là. Toutes les plateformes où... Chose de ce genre. Oula. Hop. C'est qu'ils font mal en plus. Au revoir. Alors. Je ne vois pas d'or dans le coin. Oula. Ça c'était dangereux, Marcus. Ça c'était dangereux. Moi qui m'attendais à ce qu'il y ait un coffre au-dessus. Je suis vexé. Ok, bon bah je vais me faire entuber à sec, hein. Pas de soucis. C'est de l'or? C'est de l'or, me semble-t-il. Ok, on a trouvé deux points d'or. Il va y avoir profond par contre, hein. Non, ça va.
Hop, dégage. Il y a du monde par là. Il y a du monde. C'est cool parce que je vais peut-être pouvoir revenir par là en fait. Vous voyez ? Bon, on verra bien. Faut que je fasse attention à mes réserves. Oh la vache, j'avais oublié cela. Donne-moi de la viande. Hop, je pensais que ça allait passer, dommage. Qu'est-ce qu'on a là? Tech card, génial. Upgrade module, génial. Ici on a quoi? Une épée à deux mains, 8-5, Blink Explosion. 8-5 qui tape toutes les 1-3. Alors on va faire le calcul vite fait. Bof, la flemme. C'est une épée de feu, je l'équipe. N'ayons pas peur. Hop. Il y a un petit peu d'or dans le coin. Hop les. Tu t'es fait eu. Hop. Merci de bien vouloir mourir. Rien de véritablement intéressant. Et par là, c'est dangereux. Qu'est-ce que... D'accord, il est là. Adieu. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, mais ça m'intéresse, ça. Par contre, on s'échappe de plus en plus loin de la piste, hein, si je puis dire. Oula. Reste à ta place. Hop, reste à ta place, te dis-je. Pourquoi je peux pas grimper? Voilà. Hop. Niveau torche, on a de quoi en refaire ou pas? J'ai pas de charbon du tout. Il y a de l'or ici. Il y a de l'or ici. Il faudrait donc que j'en trouve, si c'est 2 par 2, il faudrait que je trouve 10 d'or à peu près. Oula, ou c'est dur à casser ça. Oula, c'est dur à casser. Allez, concentration, bah non, même pas, si, concentration. Hop, voilà. Ce qui nous fait donc un total de... Combien d'or sur nous? 7. Hop. Oh, un petit peu de charbon, tant mieux. Ça arrive pile au bon moment. Continuer à explorer un petit peu. Le véritable problème va être de remonter par contre. Donc là ça va être un petit peu plus dangereux que prévu. Et là c'est un cul-de-sac. Hop. Qu'est-ce qu'on a par là? Pas la moindre goutte d'or. C'est vraiment dommage. Hop. Là non plus. Bon, là, il va falloir garder les yeux ouverts, hein, clairement. Passer par au-dessus, je pense, ça va être plus simple. Hop. Ouh, que ça va être dur à casser, ça. Heureusement, j'ai un outil. On va commencer par la copper, on verra bien. Hop. On va y aller petit à petit, comme on dit. Hop.
Il y a un temps de merde dehors, on est en plein été, mais pourtant c'est véritablement un temps de merde. Ok, on va essayer de casser ça, puis ce sera bon normalement. Hop, voilà. On va essayer de garder un petit peu quelques torches sur le chemin. Vous voyez qu'on puisse voir entre chaque torche où aller. Oula, il y avait du poison. D'accord. On va la récupérer. Hop, oh, ce temps de merde derrière moi, c'est d'une violence. Ok, je peux pas la récupérer, mais il y a de quoi en faire. Hein. C'est débile. Ok, ça va être chiant à casser. Hein. Ah, puis ça suffit à me... Hop. Ça ne donne que de la glow fiber. Ah, puis on a plein partout en plus du poison, quoi. Je sens que c'était pas une bonne idée de venir par là. Non seulement j'ai plus... Ah si, j'ai du charbon dessus là. Si je... Ah mais merde, Crudy. C'était pas forcément la meilleure des idées que j'ai eues. Alors. On va faire ça comme ça. Ah oh, ça va être chiant à casser en plus. Hop. Voilà qui est mieux. On va se refaire quelques torches. Parfait. Par là, c'est pas une bonne idée. On va se refaire un peu plus de torches même encore. Hop. Donc, ce qui veut dire que l'heure est une vraie saloperie à récupérer pour le moment pour nous. Mais bon, on en trouve un petit peu par-ci, par-là. Qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Ok, on va en faire 12. Et on va en avoir normalement suffisamment. Pour quelques temps. Voilà, qu'est-ce que je disais. Donc. Il faut trouver de l'or. Hop. Rapide en plus, dis donc, ouais. Allez, viens, je t'attends. Boum. Bitch, get out the way. Ok. Allez, viens par là. Voilà, c'est bon. Ah, il n'y a pas la moindre goutte d'or. Là, il y a un petit peu, par contre, de... Je vais essayer, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un cube de bouse en dessous. Hop. Et je vais taper avec la pioche, ça va aller plus vite. Ah mais la portée de la pioche est très réduite en fait. Et elle se brise. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Cependant, on ne trouve pas l'or que l'on recherche. Ah, attendez. Un passage par là. On va se mettre une petite torche quand même, hein, Marcus. Manaticon face trouble. C'est quoi? Une dague. Une dague de froid. Oh, de l'or. Génial. Avec un petit coffre en bout. Le petit coffre qui va bien. Avec deux tech cards. Une short sword de 4,6. La mienne fait combien? 4,7. Ah, la mienne est donc meilleure. On va récupérer le coffre, par principe. Nous sommes à combien d'or actuellement? 9.
Ok, on va récupérer les fibres. Je vous rappelle qu'on a utilisé un paquet tout à l'heure. Si tu tombes à côté... Hop! Je l'avais prédit, hein. Je l'avais prédit qu'elle tomberait à côté. Non. 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 Hop! Un petit peu d'argent! Je vois une grosse quantité de fer en dessous. Du coup, je récupère. Et je crois avoir... Je me trompais, je crois que c'était de l'or, mais en fait ce n'était que de l'argent. Une erreur des plus communes. Allez, hop, le petit coup. Le petit coup qui va bien. Allez. Ah, voilà. Voilà ce que je cherche depuis le début. Merci le jeu. Maintenant il n'y a plus qu'à remonter. Ça va être coton. On a faim en plus. On se soigne un petit coup. On va manger un peu. Le pain qui est à peine nourrissant. Et un petit bout de popcorn pour finir. Hop. Allez viens, viens je t'attends. Viens, je t'attends. Hop. Hop, je t'attends, je te dis. Hop, voilà. Voilà comment je résous mes problèmes. Par la violence, comme un homme. C'est d'une tristesse. Donc. Les mémoires, c'était par là. Hop. Évitons de nous prendre des dégâts. Hop. Bêtement. Parfait, on l'a eu. Ça saute haut ce truc là, dis donc. Ouais. Hop, merci. Aïe. C'est pas moi qui ai dit il y a quelques secondes, évitons de prendre des dégâts bêtement. Ok. Oh, ça touche. Bien joué. Ça touche aussi, bien joué, bien joué, bien joué. Comment je vais faire pour remonter? Hop, parfait, on est passé. On est passé ou on n'est pas passé? Je vais mourir. Mais je m'en étais pas rendu compte. Ok, ça met dans l'ambiance. On va en faire une dizaine. Même si nos quantités de fibres sont pas magnifiques. Ne sont pas géniales. D'ailleurs, en parlant de quantité de choses, je vois une quantité assez intéressante de charbon. Et on a pu voir à quel point c'est utile. Voilà, on va récupérer ça déjà. 15 de charbon. Ah oui, c'est vrai. Alors toi, toi tu dégages. Ah, du soin, j'ai gaspillé du heal. Hop. C'est pas par là. Hop, c'est plus par là apparemment. Oh, ce toucher. Cette hitbox. Bon, on va arrêter de se plaindre. Alors, on remonte. Et une fois qu'on sera monté, on se laissera là, je pense. Hop. Oh, il y a du cuivre. Il y a du cuivre, Marcus, il y a du cuivre. Ah, il y a un oiseau. Enfin, il y a un insecte qui me suit aussi. C'est du charbon. Hop, parfait. Je vois un peu plus de charbon.
facilement atteignable, du coup je le prends. Ok. Oh, ça change tellement tout. Il y avait un petit peu de charbon sur place. Hop. Hop. Ok, j'essaie de me retrouver un petit peu dans l'histoire, mais ça doit être par là normalement. Hein. De mémoire. Hop, merci de me vouloir revenir plus tard. Genre quand tu auras grandi et que tu auras des poils. J'aimerais récupérer toutes ces fibres. Je pense que ça va être d'une grande nécessité. Si on a un combat de boss avec Dreadwing, comme on a eu la prémission, entre guillemets, enfin la quête de données. Je pense qu'il va mieux falloir prévoir du heal. Forcément. Est-ce que ça vous étonne vraiment? Est-ce que ça vous étonne vraiment? Bon. Je vais remonter. Crac. Ça a peut-être dû irriguer. Dommage. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. On va juste aller faire les barres en or. Merci de l'avoir regardé en tout cas. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!